Manuel Criado, vous présentez une hiver d'enfer au premier poteau mercredi à Agen, une position vraiment avantageuse pour lui. Oui, c'est un de ses bons engagements, il part devant pour une fois. Chaque fois, il rend 25 mètres à chaque tas toutes ses courses, donc voilà. C'est un beau dingue, Benjamin. Dernièrement, à Agen, en début d'année, il s'était plutôt bien comporté à deuxième place. Oui, 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 il courait très bien la dernière fois, sentait un beau long, j'avais fait fort un peu en partant, ça lui a coûté un peu pour finir, mais cheval saillit, donc j'avais pas voulu travailler fort entre deux, je pense qu'il est monté de la course, il a fait le plus grand bien à Bordeaux. Bon, il trouve un bel engagement en tête, mais il y a quand même de l'opposition à 25 mètres, Brissac notamment, qui apparaît comme un ogre difficile à combattre. Ouais, la victoire est impossible, à mon avis. S'il prend une 4-5e place, chance, il a 4-5e place, et la mission sera déjà, ça sera déjà très bien. Quel est vraiment le meilleur parcours pour lui qu'il pourrait obtenir mercredi dans cette compétition? Il est pratique, hein, donc il peut faire le premier tour devant. Le mieux, c'est que ça aille pas trop vite et que ça enroule le dernier kilomètre. Je pense qu'avec Brissac, on va pas être déçu. Hein, le dernier kilomètre, il va être très fort. Donc, on va faire petit bras et puis on essaiera de venir prendre les chevaux pour finir. Vu sa forme, ça vous paraît possible de s'immiscer à l'arrivée dès lors?